Salut tout le monde, c'est Abdul FIFA Pros, j'espère que vous allez tous super bien. Moi ça va très bien, merci beaucoup et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors au préalable aujourd'hui je vous présente mon tout premier gameplay sur FIFA 19 Ultimate Team. Alors en gros ben c'est ça, ça c'est la démo là, c'est sûr. Parce que au moment où je vous filme, dans le fond ce gameplay, on est le 16 septembre et le jeu sort dans exactement 8 jours, 10 heures et 15 minutes. Donc voilà, c'est ça. Donc voilà, on va s'amuser un peu, on va l'essayer, voir comment ça va. Donc déjà, vous voyez, ça a complètement changé. Dans le fond, les soundtracks, quand on clique, ça fait des bruits différents et tout. Ça, bon, c'est la même chose à chaque année, donc voilà. Et finalement, oh oui, Hunter. Il y a sûrement le démon. On va la faire maintenant. Why not? On va la faire maintenant et ensuite on va jouer un petit match. Coup d'envoi, puis ce sera tout là en gros. Donc voilà. Donc là, faut choisir un perso normalement. Ah, je peux pas les choisir. What? Ah, ok. Ok, bah on va aller avec Alex Hunter. Si je suis obligé. Et donc voilà. Oh. Petite capsule, je vous laisse regarder. At least you'll be going up against Terry, though. Come on, papers will love that. Brothers on the same pitch? Yeah, gonna be pretty special. Oh, that'll be Michael. How's he doing? He's got the Williams International icon on his books. How do you think he's doing? Well, tell him I said hi. If I'm feeling like it. Alright, bye-bye, mate. What the fuck? Alex, there is a FIFA Say No to Racism event happening in Madrid this month, and you've been invited. All the top stars Ooh. Will be there. Neymar, De Bruyne, Ronaldo, I'm it's in. A must. Fun. Next, you have to think about what charity you want to donate to. I'll set up an interview after training to make the announcement. Right. And then we seriously have to start thinking about your brand. The photo shoot is only a few weeks out, and we have to have your logo locked in before then. Way ahead of you. Oh. My mom, she's a proper designer, been working at this firm, yeah? I was thinking that maybe she could come on board, do the design. Bon, vous savez, c'est en anglais, mais bon, il y a les sous-titres en dessous, donc voilà. No one knows me better. Be perfect. Ok. Ces deux personnages-là, je les ai jamais vus, j'ai aucune idée c'est qui. On le saura quand le vrai FIFA va sortir. Donc en passant, je sais pas si vous le saviez déjà, mais il est au Real, donc on le sait cet été dans le fond qu'il signe au Real. Et donc voilà, donc normalement on joue notre premier match contre Manchester United, son premier club en tant que joueur pro. Et voici son shirt, son t-shirt, numéro 29 comme d'habitude. Donc je pense qu'on peut le personnaliser là. Je pense qu'on peut personnaliser notre perso. Changer sa coupe de cheveux, chandail, shirt et tout. Mais donc voilà. Il est officiellement au Real, monsieur Alex Hunter. Qui il doit avoir 20 ans, je pense, maintenant. Alex, come on. Oh, le match commence bientôt. Isco. New player in the middle. Oh, come on. Those are the rules. Ah, il joue au milieu. The fuck? Qu'est-ce qui se... Oh, ok, c'est un taureau. Ah ouais. Ah, ok. Bon. Mais là, ça est impossible, man.
the fuck man, c'est impossible. Oh oui, j'ai pris. Ok, là c'est moi qui contrôle. Tox, tox. Faut juste pas counter par la balle, c'est tout. Hop, et en même temps, il y a une note en haut, donc on est à excellent, donc on peut s'amuser. Tox, tox. C'est facile, il met aucune pression, on fait juste tourner autour. C'est fou. Limite, j'aurais pu rien faire tout le long, puis... Ok. Bon, en tout cas. Oh, là, le match start. Et on est sur le banc, donc on va comment, on va rentrer genre à la xème, yème minute. À l'instant. Donc voilà. Voyons voir le score, les consignes que le coach va nous demander. Le voilà, il s'en vient. Ok, donc faut avoir une note de 8.5, passe décisif, puis gagner le match. Ok. Donc c'est, on remplace Benzema pour ce match de Champions League. Let's go. On est prêt, let's go. Donc faut qu'il fasse une passe décisive dans le fond. Oh, what? Ok. Ok, dans le fond. ok. Antoine est là. Ok, là, je sais pas comment on enlève le truc. Yo, comment on... Comment on enlève le truc? What? Marcelo. Bon, va falloir jouer avec ça. Dans leur tête, on sait pas jouer, donc... Allez, donne-la. Oh, frappe! Oh, il a... Let's go! Ça part bien. C'est sûr qu'on n'a pas de passe décisif, mais still, l'action a quand même partie de lui, donc voilà. Cette partie-là, je l'ai pas trop compris. Mais bon, l'important, c'est qu'on ait marqué. Let's go! On lâche pas. Bien. Oh, come on. Yo, je sais pas c'est quel niveau, parce que c'est facile un peu, je trouve. Mais bon. Oh wow. Oh, Hunter. Non, ce sera pas Hunter. Il est pas hors jeu. Ah oui, hors jeu. Putain. Il joue loin. Ça nous revient. Oh oui, Bale. Il est parti. Marque. Oh wow. Wow, quel but! Let's go, on va dabber un peu. Et voilà, donc Alex Hunter, il a officiellement fait ce qu'il devait faire. Puis je comprends pas pourquoi, mais c'est tellement facile. Et voilà. Sale but, pareil. Let's go! Donc, Bell a un doublé depuis qu'Alex Hunter est rentré. Yo, check ça, c'est facile, man! Eric. Oh. Non, ça se peut pas. C'est sûr, c'est niveau genre facile, à débutant, amateur au maximum. Oh, ça a passé. Pff, il a... Ok, non. Attends, je peux pas. Est-ce que je peux voir le niveau, c'est quoi? Je sais pas où est-ce qu'on voit ça. Comment... En fait, je peux pas le voir. Bon, en tout cas, c'est vraiment facile, donc... Oh, oh, oui. Donne un tour, parce que je veux qu'il marque. Oh! Et voilà! Casemiro. Oh, si tu fais, si t'appuies sur rond, il fait n'importe quelle célébration. Ok. Ouais, je pense à partir de maintenant, je vais appuyer sur rond à chaque fois que je marque au lieu de X. Bien joué. C'est sûr que c'est un but de merde, mais... Still, on a marqué. Puis Casemiro, il est tellement bien fait sur x19. Donc voilà, let's go.
inside the last quarter of an hour. Yo, c'est trop facile. Je crois qu'il va falloir changer les paramètres après. Oh, Bale est parti. Allez, une autre passe décisive. Une autre passe décisive. Voilà. C'est trop facile. Ça se peut qu'on gagne genre 10-0. Bale a triplé en genre 10 minutes. Sadly, we have to conclude that this hasn't really been a contest, but all credit to any side committed to. Bon, pour une fois qu'il part une belle action, c'est. Ah, il a foiré. En passant, Hunter n'a même pas marqué. En fait, il est là, mon gars. Il est tellement là. Oh, wow. Yo, c'est quoi cette passe? Casemiro failed to hang on to it. Okay. I must say, no shortage of space. And they got into that crossing position. Oh, je jette avec le feu ici. On est quand même sorti, donc voilà. Vas-y, Bale. On va chercher Hunter. Est-ce qu'il va? Non, il va pas l'avoir. They really had to be on their toes defensively, given the circumstances. Ça joue. Nous. Ouais, c'est bon. Oh, fuck. Dommage. Ça a failli. Bah oui, toi. Ouf. C'est un dégagement, ça. Ça avait plus l'air d'un. Ouh. Doucement. Mais. The electronic board has been held aloft. Two additional minutes here. Hunter. Oh, belle Paul. Plenty of running room in the wide position. Hey, il pourrait pas marquer Hunter, s'il te plaît. Non, il marquera jamais. Il marquera jamais. Mais bon, au moins on a fait les consignes de l'entraîneur. Et voilà, on a gagné. Gareth Bale, l'homme du match. 3 tirs, 3 buts. Well done. Là, je peux pas skip cette partie. Donc voilà, performance, tout a été fait. J'ai même 2 passes décisives. Nice. Et on a gagné le match, 4-0. Alors que c'était nul à la 70e minute, genre. Ou 60e, je me souviens plus trop. Bref, suivant, voyons voir ce qui s'en vient. After a long wait, you finally had your capsule. First taste of Champions League football. Je veux dire, c'est conforme à ce que je m'attendais. Everything I thought it would be, but more, you know? More passion, more intensity, more quality. So it's a different level of play. Yeah. Ben Europe's oui. Best playing against Europe's best. Everyone out there is capable of taking it to the next level. I appreciate you taking the time, Alex. Thanks for having me. Et voilà, je pense que ça ouais, on finit avec une petite interview. Et voilà, donc c'est ça la démo d'Hunter. Donc voilà, la même chose à chaque fois, on va skip ça. Donc voilà. Et puis là, nouveauté, donc ça c'est tout ce qui... Oh, come on. Oh. Désolé si je vous fais perdre quelques secondes avec ça. Donc voilà, coup d'envoi, donc dans le fond il n'y a rien de plus. Ah ouais, ok, maintenant c'est ça. Ça se fait pas automatique. C'est quoi ces trucs? On peut pas le... Ok, on va... Phase de groupe Ligue des... Ah, ces trucs-là sont juste disponibles sur FIFA 19, tu crois. Donc voilà, on va pogner notre team. Je sais pas avec qui aller, sérieux. Je pense que j'allais avec City, man. Ils ont des gros joueurs contre, je sais pas, Real, PSG. On va y aller avec PSG, why not.
City, vraiment, je les aime beaucoup sur FIFA. Oh my god, je vais me mélanger avec les chandails. Tant pis, on va là avec ça. C'est le mieux que je puisse faire. Oh ouais, je sais ça. Tranquille. Donc, à passer les nouvelles formations, il y a le 4-2-4. Le voilà. C'est vraiment fucké comme formation, sérieux là. Sinon, 5-4-1 en losange. Dans le fond, c'est comme 4-1-2-1-2, mais au lieu d'avoir 2 buteurs, c'est ça. Il y a 3 defs centrales, 1 buteur au lieu de 2-2. Mais c'est bien. Donc sinon, c'est ça, il y a eu des nouvelles formations. 3-4-3 en losange aussi, c'est nouveau. 3-4-3, ça c'est pas nouveau par exemple, mais ça, c'est nouveau. Donc voilà. On va aller avec classique 4-1-2-1-2 comme je le veux. Donc on va juste faire les petits changes. Ressources à la place de Silva. Et puis l'autre Silva, on va le rentrer comme ça. Voilà. Donc on va, ça va être ça le 11 partant. Et puis après ça, ben ce sera la fin de cette vidéo. Donc voilà. Oh, ça a lagué, genre. Yo, c'est-tu moi, ils sont là. Yo, je suis même pas capable de le passer, come on. Yo, je suis pas capable de le passer. Bon. Là, faut que je... Non, faut juste... Oh my god. C'est bon, je m'en fous là. En passant, il y a sûrement des nouveaux exercices. Donc voilà. Ça, je vais vous laisser voir ça. Ça a l'air de quoi. Bon, c'est la même chose. Dans le fond, ils présentent les joueurs. Yeah, the long road to the final starts here in game one. Always think that if you win your home games and don't lose your away games, you've got a good chance of progressing. Quand même bien fait pour de vrai. Interesting to compare and contrast PSG now with PSG a few years ago. Lee, you played against them at a pretty big contest before the big money came in. Yeah, this semi-final in 94, the Cup Winners' Cup, they had a few good players. They had the one exceptional one in David Ginola, and guess whose job it was to mark him? That'll be mine. Fortunately, I came out on top. Well, the team did, and we got to the final. Oh, ils prennent des selfies en plus, carrément. Voilà, c'est ça le partant, comme on a fait tantôt. Donc voilà, les joueurs sont sur le jeu, donc je voulais juste laisser cette partie-là, juste vous montrer dans le fond de quoi ça a l'air. Match de Champions League. Let's go. On va s'amuser un peu. Champions League group stage match day 1 underway. De Bruyne. Oh, il est parti. Oh, c'est vrai, j'ai oublié de changer les. Ça part bien. Mais j'ai oublié de changer les le niveau. Donc dans le fond, ça se fait que je quitte un peu après. Avant la mi-temps, donc c'est ça là. On va peut-être marquer un autre but, puis après ce sera tout. Voilà. Oh, shit. Il a quand même failli le... On a failli passer, mais... Frappe. Ouf. What the... C'est quoi cette célébration? C'est bien nice.
hit the target, tick. En tout cas. Tick, goal, tick. Voilà, c'est juste ça. On s'en fout là, je laisse vous montrer une petite démo. Essayez un peu le jeu. Et voilà, donc c'est ça. J'espère que vous avez apprécié, c'est tout. C'est la fin de cette vidéo, on s'amuse un peu. On a fait la Hunter, puis un petit match coup d'envoi. Donc voilà guys, j'espère que vous avez apprécié. On se retrouve à la prochaine. Allez, ciao.